Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Goro Gourcillon qui vous parle en direct de la sixième partie de mon playthrough de The Secret World. Nous sommes à la sixième partie, je crois que je l'ai déjà dit. Et puis, oui, donc dans la dernière partie, j'avais réussi finalement à rentrer, hein, je l'ai fait en off. À la prise d'un abus complet du sprint pour passer à travers tout en courant. Et je suis revenu ici à la caserne du shérif pour prendre la quête suivante qui sera du dernier personnage à qui on n'a pas encore vraiment parlé. Il s'agit de monsieur, j'aurais pu me casser mais je suis resté parce que j'ai envie de me faire bouffer par des zombies, alias Sandy Moss Johnson. Alors j'espère que vous allez bien, que ce playthrough continue de vous plaire, hein. On a vu un peu la partie combat dans la partie précédente. What the fuck is that? Bon, aucune importance. Voyons ce qu'il a à nous dire. Dans mon ancienne vie, je me demandais toujours ce que m'aurait réservé la voie que je n'avais pas choisie. C'est comme ça que j'ai fini là, dans la graisse, jusqu'au cou à fabriquer des bombes. Allons du calme, je suis doué pour ce qui est de tout faire sauter. Je connais bien la mort et tout ce qui sert à la donner. Et j'ai pas du tout envie qu'on aille la rejoindre maintenant, toi et moi. Ces serviteurs mécaniques de la faucheuse resteront silencieux tant que je n'appuierai pas sur le bouton rouge. Les voyages m'ont fait découvrir... l'expression de visage qu'il a pris. C'est n'importe quoi. Mais les choses étant ce qu'elles sont, j'ai dû m'y remettre pour la bonne cause. Enfin, quand je dis bonne, je me comprends, bien sûr. Quand t'arrives ici, les panneaux t'annoncent la saison du homard. Au lieu de ça, tu débarques en plein cauchemar. Ah, mais j'en ai trouvé un de homard géant. Le pire de tous. Mais assez philosophé. La vie est sacrée, chaque instant est précieux. D'où l'intérêt de faire sauter ces macabées. Le temps et les idées, c'est pas ce qui me manque. Pas comme ça que je réécris Maccabée, mais... c'est pour trouver les pièces nécessaires. Il y en a plus qu'il n'en faut dans Main Street. Mais en revenir vivant, il est là le problème, camarade. Ah, parce que t'es russe, toi, en fait. Donc je dois aller chercher du matériel. Ok. Consulter la liste des courses de mots. Oula, phase 1 sur 8. Ah oui, d'accord. What the fuck is that? De la litière pour chat, ouais, pourquoi pas. Alors, liste de courses, composant d'ANFO, prof réfrigérante, il doit en avoir chez les pompiers, il faudra retourner à la caserne des pompiers, du gazole dans le chalutier échoué, ah non, hein, tu vas pas me faire retourner là-bas, hein. Du jus d'orange concentré congelé, bordel, j'ai vu ça dans Fight Club. Il y a sûrement au café, de la litière pour chat, dans le réservoir des balayons de la barricade, bouteille de propane à la station service. Ok, donc apparemment il va d'abord m'envoyer chercher les bouteilles de propane. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Ah oui, tiens, j'ai des points de compétence. Je vais monter la guérison. Qui m'a du coup donné ça. Mes pouvoirs de guérison permettent à la cible supplémentaire, que ce soit l'origine de ses soins. Ouais, ok. C'est un petit bonus de soins. Et j'ai 4 points de ici. Donc je peux débloquer ça, même si ça ne me sert pas tant que ça. Ah bah on va bientôt avoir les bons sorts de soins. On pourra passer au... Oreo shotgun. Je peux pas passer par là. sprint. Alors, récupérer des bouteilles de propane. Ah oui, ils les entreposent bien, les bouteilles de propane. Aller au jardin d'enfants ou au parc municipal de Kissmouth. Qu'est-ce qu'on va les foutre là-bas?
Ces désirs pervers, je n'ai pas trop envie de les assouvir, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. Ça, c'est un cadavre. Récupérer des roulements à vis sur un tricycle ou un vélo. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Aller au Bed and Breakfast de Jackie et Wendy. Pour le moment, c'est va là-bas, ouais, d'accord, va là-bas, ok, va là-bas, oui, d'accord, je discute pas. Ouais, va me chercher des roulements à billes, ouais, d'accord. Ouais, mais plutôt que d'aller à un quincaillerie, va le prendre sur un tricycle d'une petite fille à la plaine de jeu, c'est plus marrant. C'est n'importe quoi. Les bouteilles de propane qui sont entreposées juste à côté des pompes à essence, comme ça si ça pète, il y a tout qui pète. Je récupère de la litière pour chat. Ah bon. Et il y a une note de suicide. C'est une mission secondaire, ce sera secondaire. Aller au chalutier abandonné, aïe aïe aïe. Récupérer du gazole. Si j'aggro rien, j'ai du bol. J'ai du bol. Trouver la caserne des pompiers. Ça, on sait où elle est. Oh, j'ai réussi à pas aggro les drogues, quoi. Oula, il y en a encore par là. Ah, ça fait du bien, un peu de calme, pas de combat. Donc, évidemment, j'ai tourné les deux épisodes de suite, donc là, je vais me taper une demi-heure de combat assez tendue. Enfin, oui. Là, la première partie était tendue aussi. Bien que je préfère m'attaquer aux zombies qu'aux drogues. Quand même moins mal. Alors, bonjour, c'est pour vendre des calendriers. Ah non, ça c'est vous qui faites ça. Ah, j'ai pas pu éviter, j'étais dans les escaliers. C'est peut-être pas en haut. En haut, c'était les trousses de soins. Donc ça veut dire que les poches réfrigérantes sont en bas. Bon, ça veut dire que je vais devoir te tuer. Il y aura grand chose qui s'allume. Donc ça doit être en haut. Que
je dise qu'il y avait plus de combat pour que boum, je m'entraîne. Ah, ça va bientôt être le prêtre. Voilà, t'es qui toi? Capitaine des pompiers. J'adore le supérieur. Ça, je sais pas faire. Hein. Y a que mon avatar qui peut faire. Ah, ils sont là. Je suis trop loin. Ça passe. Allez, on se casse. Aller au café de l'Arkham Avenue. Toujours le cadavre de la femme de ménage qui traîne dans la rue. C'est dégoûtant que quelqu'un le nettoie. Femme de ménage, nettoie-toi. Ça n'a aucun sens. Imagine, là, elle se relève, elle se nettoie pour ne plus être dans le chemin, quoi, c'est... Ah, c'est dégoûtant. récupérer un brique, une brique de jus d'orange. Ouais, pourquoi pas. Elle laisse traîner ses briques de jus d'orange dehors, hein, c'est bien connu. On va aller remplir la petite mission secondaire de porter le courrier. Visiblement, c'est par ici. Voilà. J'ai toujours un petit peu d'expérience de prix. Oui, ça ne fait même pas gagner un PP ou un PC. Hein. C'est vraiment ridicule. On a combien? Wow, on va encore faire une mission après. Pour le moment, j'arrive pas à faire une mission, un épisode, parce que les missions sont pas assez longues. Ça va venir, ça va venir. Salut, camarade. Allez, on met tout dedans. Mais on voit que la litière pour chat. Alors, aider les gens du cru à se défendre n'est pas une perte de temps totale. Ça la garde en vie tout en limitant le nombre de saloperies qui traînent dans les rues. Je n'ai donc rien contre les petites girées en ville pour aller faire des courses du moment que tu restes multitâche. Ouais, c'est toi la tâche. Ce qui veut dire que tu dois les transformer en opérations de reconnaissance, afin de savoir où se trouvent les menaces et surveiller ces boucles de près du cargo. Moi, je m'en approche pas, hein, parce qu'en attendant, tu as vraiment passé beaucoup de temps à rassembler des explosifs. Ok, bon. Valeur d'attaque, valeur de guérison. Hop. Tac, tac. Bon, ben, c'est mission suivante. Hein. Ma passion pour cette vie est ma plus grande faiblesse. Sur la route, j'ai compris l'existence et j'ai trouvé la sérénité. Qui pourrait en demander davantage? Et la vie est trop sacrée pour rater ne serait-ce qu'une seule aurore à cause d'une cuite. Cela dit, l'indifférence est le pire des crimes. J'ai jamais laissé tomber les gens bien dans le besoin. Et si j'ai appris un truc à bâton rouge, en plus de la recette, ça m'intéresse beaucoup ce que tu racontes. C'est que je hais les zombies. Tu sais, camarade, on finit par comprendre des tas de choses sur la route, tout seul, sous un ciel en cinémascope. Il n'y a pas mieux pour savoir de avec des yeux violets. La solitude permet de vraiment apprendre à se connaître. Mais ce genre de considération, les sans-âmes s'en foutent. Et c'est pas seul qu'on peut se battre contre les morts vivants. Non. Il faut qu'on fasse front commun. C'est la pire des épreuves qui nous est imposée. J'ai pas mal bidouillé ces instruments de mort, et ils devraient faire l'affaire. Va quand même falloir les tester. De préférence, là où ça ne gênera pas Monsieur Tout-le-Monde. Le sourire d'abruti. Utilisez la caisse de mousse, ok. Allez, prends-la. Placez les mines et attirez les zombies pour qu'ils marchent dessus. Ah. Du coup, je vais devoir utiliser ça. Je vais plutôt le mettre là. Voilà.
Ah ben, si vous venez déjà jusqu'ici. Ah, enfoiré, il fait la même chose. Ouh, un fusil à pompe vert. Oh, j'ai du bol là. Boum. Bon, à coup de deux, on va pas y arriver. Hein. Ah, et à mon avis, je peux pas m'en équiper parce que j'ai pas de compétences. Donc... Ah si, je peux. Fusil à pompe, complètement inutile. Boum. Ah. Qu'ils ont été comptés, je m'en fous. Mais il faudra qu'on m'explique comment ils ne sont pas morts. Oh. Ok. Boum. Il me faut plus de zombies. Ah, y en a encore un qui a survécu. Hein. Il me reste 3 mines pour 5 zombies. Ça va être tendu, mais on va y arriver. Boum! C'est tout de suite beaucoup plus facile de tuer des zombies, évidemment. Oh, il y en a 4. Mon dieu, j'ai peur. Oh, j'ai posé une mine. Boum! Et ils sont tous morts, c'est cool. Bon, prenez des bouteilles de propane de mousse. Le zombie suicidaire. Allez, hop, on prend des bouteilles de propane. En gros, ce sont des cocktails Molotov. Et on va tuer 20 zombies à nouveau. Pourquoi faire dans l'origine? Ah putain, il n'y a plus un zombie dans le coin. Tout le monde fait cette mission ou quoi? Ah, là il y a un petit groupe. Boum! Ouais, c'est beaucoup moins efficace que les mines. Hein. Boum! Et on fait brûler le scooter en même temps. Et un a pété. Bon, là il y en a que deux. Tant pis pour eux. Je suis de mauvais poil. Eh, ils sont où les zombies quoi? Quand t'as pas envie d'en croiser un, t'arrêtes pas d'en avoir partout. Ici j'en cherche et je les trouve pas quoi. Barbecue. Il y en a là aussi. Boum. Eat the popcorn. Venez plus près. Oui, c'est ça, venez. Boum. Bon, il y a eu un petit bug sur celui avant, mais... Bon, ça fera le compte. Prenez le napalm maison de Mouse.
Oui, Mose, donne-moi ton napalm. D'ailleurs, on a combien d'explosifs à tester comme ça? Parce que je suis déjà à la phase 3. Enfin non, je suis seulement à la phase 3. Namasté. Namasté, what? Verser une napalm dans les égouts depuis l'extrémité haute du Lovecraft Lane, d'Angel Street ou de Main Street. J'ai rien compris. Prenez une bombe artisanale de Mose. Ouais, donc on va vraiment tester 5 explosifs quoi. Oui non, ça c'est celui que j'avais fait avec le. C'est quoi ça? Outil pour talisman. Salut camarade! Alors, une bombe artisanale. Placer la bombe artisanale sur un scooter abandonné. Pourquoi? On est en guerre contre les scooters maintenant? Ouais, va placer ma bombe sur un scooter, c'est super dangereux un scooter. Bip, 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 boum! Waouh, c'est vachement impressionnant! On dirait un pétard mouillé quoi. Récupérer l'arsenal de Mose dans sa caisse. Moi aussi je peux le faire. Oui, c'est ça, tais-toi. Alors, entrer dans les égouts. Ah, il faut une obsession sur les égouts dans ce jeu. Non, je ne veux pas finalement, ça sent mauvais. Le mec il veut pas faire la quête parce que ça sent mauvais quoi. Le truc qui a aucun sens. Utiliser l'arsenal de Mose. Je veux des mines. Et je veux du napalm. Le reste c'est de la merde. Placer la bombe artisanale. J'ai 20 secondes pour le faire et il y a une mission ici qu'on va prendre. Placer les mines. Je place des mines dans l'eau. Je vais reprendre des mines. Quelque chose arrive. Ah, il fait noir ici. Je sais pas si vous allez y voir grand chose. Moi j'y vois rien. Boum! Boum! Boum!
C'est à temps pour balancer. Ils en ont rien à foutre de B2. Boum. Brûle. Explose. Boum. Apparemment, j'ai fini la mission. J'ai rien compris, mais... Examinez la brochure. Heureusement que je suis pas sorti avant. Alors, viens nous voir à Langmore Trail. L'Aube Nouvelle. Allez au campement de l'Aube Nouvelle. Ok, on fera ça une autre fois. Envoyez le rapport. Alors, nous sommes très heureux que tu aies diversifié tes méthodes de destruction. Ça nous permet de savoir comment nos ennemis sont affectés par le feu, les explosions, ainsi de suite. Mais les stratégies à long terme et à court terme ont des avantages tactiques qui devraient désormais être évidents à tes yeux. L'eau invoquant les égouts, on leur interdit d'utiliser un point d'accès vital, blabla, ok. Valeur de guérison, ok. Un point de compétence et des PP, c'est parfait. Hop. Alors, le point de compétence, cette fois, il va partir dans dégâts de fusil à pompe. Et je vais en profiter pour... Voilà. Attends, je vais organiser un petit peu mes trucs. Ça, je veux plus l'avoir. Je vais prendre ça. Et il me reste encore des points. Je sais pas où. Il m'en reste deux. Je vais prendre ça. Alors du coup, ça ne me sert plus à rien du tout. Voilà. Boum! Voilà, avec une arme un peu plus sérieuse déjà. Eh ben, ça nous aura encore fait deux missions, ça. J'ai un peu testé le shotgun. Si quelqu'un veut bien me laisser des ennemis. Bon, tout de suite, c'est un autre DPS. Hein. Voilà, tout de suite, je suis déjà beaucoup plus sérieux en combat. il lui reste une mission, lui, hein, je crois, donc je vais retourner là-bas. Ça, on s'en fout. Voilà, voilà. Ah, ben, elle est pas débloquée, sa mission, en fait. Pourquoi elle n'est pas débloquée? Vous devez atteindre le rang 6 dans votre société secrète pour accepter cette mission. Ah bon? Ok, bon bah alors on va aller voir ailleurs. On va aller à l'église. Voilà. On va aller voir le prêtre, on va lui parler un petit peu et j'arrêterai là. Sprint s'il te plaît.
voir ce qu'il a à nous dire. Bonjour, ce serait pour une bénédiction. Bénédiction du shotgun. C'est tellement cheaté le shotgun, quoi. Mon père, je dois me confesser. Mon enfant, l'église congrégationaliste de Kingsmouth est toujours ouverte ces jours-ci, d'autant que mon troupeau s'est considérablement réduit. Mais même si nous avions de l'eau bénite, nous l'aurions épuisée depuis longtemps. Bonjour madame, je tiens mes mains n'importe comment. Ce n'est pas Armageddon. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Les Mayas l'avaient peut-être gravé sur leur calendrier, mais le ciel et la terre nous ont assez illuminés pour que nous sachions que c'est faux. Dieu bénisse l'Internet. Savoir, c'est pouvoir, surtout avec Google. N'importe quoi. Voyez notre cimetière. Il est en vrac comme la soupe de palourde de chez Suzy. Je tiens un registre rigoureux des bénédictions qu'il va falloir réadministrer, des parcelles qui ont besoin de nouveaux gazons et de tous les petits problèmes logistiques du genre. Ok, il y a des zombies dehors et c'est tout ce que t'en as à foutre, quoi. Ah putain, il y a des symboles Illuminati derrière, regarde. Ça, c'est les symboles Illuminati. On est dans une église des Illuminati ici. Non. Bim ! Bon, arrêtons de faire n'importe quoi et arrêtons cet épisode ici. Comme vous voyez, lui, il a pas mal de quêtes à me donner. Je me demande si je ferai pas l'enquête d'abord, en fait. Ça pourrait être une idée. Enfin, d'ici là, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un pouce vert. Ça aide et ça fait plaisir. C'était Gorogorcillon en direct de mon pifou de The Secret World. A bientôt pour la suite.